Challenge accepted. Oh, God, I got Yop tout le monde, c'est Gotaga pour ce 9ème défi et on se retrouve donc aujourd'hui sur la map Interchange pour cette fameuse triple mob comme je vous l'avais promis. Pour tout vous dire, j'avais fait le défi une première fois, j'étais content, j'étais tout fier et au moment de commencer le montage, je mets le gameplay dans Sony Vegas pour le découper, bah là jusqu'à là c'est normal. Et en fait la capture card avait frisé durant la capture. Donc du coup ça faisait un gros écran noir et en fait je me suis posé une question existentielle. Soit je vous mets le gameplay du mode studio ou soit je le refais entièrement. Donc je vous refais une triple mob. Et donc j'ai choisi d'en refaire une car si j'avais pris le gameplay du mode studio, je sais très bien que beaucoup seraient venus crier au boost vu qu'il n'y a pas la fameuse recherche de partie que je mets avant tous mes défis. Donc je l'ai refait et je vous cache pas que je m'attendais pas du tout à la faire sur cette partie, hein. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Au moment où je fais cette vidéo, on est arrivé à 35 000 abonnés, ce que je trouve tout simplement énorme, je ne sais pas quoi dire tout simplement. Pourquoi ? Bah car il y a 2 semaines de là, je fêtais avec vous mes 20 000 abonnés, avec justement une semaine où je mettais une vidéo par jour. Et nous voilà déjà à 35 000. Ouais, vous avez bien entendu, 35 000, c'est monté très très vite. Mais malheureusement, c'est un peu les périodes de bac et d'examen hein, pour tout le monde, dont moi. Donc je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo des 20 000. Mais voilà, donc c'est pour ça que cette fois-ci, je ne ferai pas de semaine spéciale 30 000. Car si je faisais ça, je devrais limite en faire une toutes les 2 semaines maintenant. Et ceci, je le dois uniquement à vous. C'est grâce à vous tout ça. C'est grâce à vous qui me suivez, qui commentez et aimez mes vidéos. Ça fait découvrir mes vidéos à nouvelles personnes, vous imaginez pas. Enfin ouais, ça en a pas l'air comme ça. Mais à chaque j'aime et commentaire que vous laissez, ça m'aide un truc de fou, tout simplement. Donc merci à vous, sincèrement. Et j'espère qu'on continuera longtemps cette aventure ensemble. Enfin bon, malgré qu'il n'y ait pas de vidéo spéciale, je vous ai quand même prévu quelques trucs. Tout d'abord le lancement d'une chaîne secondaire. Donc pourquoi une chaîne secondaire? Donc j'ai remarqué sur Twitter, quand je disais par exemple, je viens de faire 192 kills en démo, viens de faire une double mob par-ci, une double mob par-là, viens de fail ça, etc, etc, que beaucoup de personnes me tweetaient et me disaient vas-y, upload-le sur ta chaîne vite et tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas uploader des choses en quelque sorte bâclées. Quand je dis bâclées, c'est-à-dire que je ne prépare rien du tout dans la vidéo, hein. Je mets mon intro, je mets gameplay, même si ça me prend énormément de temps, sachant que le render, l'upload et tout ça, ça dure du temps. C'est des vidéos qui ne sont pas travaillées, enfin pas travaillées comme je le voudrais. Et c'est pour ça que je crée cette chaîne secondaire. Donc il y aura un peu de tout, des clips, des délires, de très bons gameplay, pas forcément commentés. Donc par exemple... la double mob au magnum en 2 contre 2, un 40-0 au MSR encore une fois en 2 contre 2, les 192 kills en démolition, les fails durant mes défis. Donc je vais vous uploader plein de double mob que j'ai fait avant de réaliser ce défi par exemple. Bien sûr hein, quand je tenterai le défi quadruple ou quintuple mob, c'est pareil, vous aurez plein de triple mob sur ma chaîne secondaire. Enfin bref, je vous invite à aller vous abonner dès maintenant. J'ai pas mis de vidéo encore, mais ça va bientôt arriver. Et je commencerai à vous uploader des vidéos en tout genre et très 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 fréquemment. C'est-à-dire que ma chaîne secondaire sera limite plus active que ma chaîne principale, qui elle restera essentiellement concentrée sur des vidéos vraiment travaillées. Au passage, j'uploaderai aussi sûrement des promos de chaînes, de tournois, etc. Des choses qui, je pense, méritent d'être connues. Chose que je ne fais pas forcément sur ma chaîne principale, car si je le faisais pour une personne, je devrais le faire pour tout le monde. Et je ne pense pas que tous mes abonnés seraient vraiment ravis de ça. Donc pour ceux que ça intéresse, allez vous abonner. Je mettrai aussi, surtout pour ceux qui sont intéressés par la compétition,
et qui ne savent pas forcément où aller pour savoir où sont les tournois, les LAN, car il se peut qu'il y ait des LAN à côté de chez eux et qu'ils ne soient pas forcément au courant. Donc si vous êtes intéressé par ça, je ferai aussi des annonces en vidéo pour vous informer de tout. Donc voilà, le lien est dans la description, je referai de toute façon une vidéo expliquant tout ça, mais vous pouvez déjà aller vous abonner. Donc là, la première mob, c'est un peu la partie chiante du gameplay d'ailleurs, car ils ne sont plus que deux en face, hein, tous les autres ont rage quit, c'est d'ailleurs pour ça que je ne pensais pas du tout réaliser la triple sur cette carte. Ils sont plus que deux en face, on mène déjà 1-0, et on est plus que bien parti pour remporter cette manche aussi. Donc vu que je pensais que c'était mort, je me suis dit, bah vas-y, je vais continuer ma série tranquillement sans mourir, en attendant que la partie se finisse. Donc alors sinon, j'en étais où? Oui, il y a eu aussi un changement complet niveau design. Vous avez sûrement pour la plupart déjà pu remarquer, hein, j'ai fait quelques changements de background récemment. J'en ai eu un premier fait par Jixien que je remercie au passage, sachant que j'en avais vraiment besoin. Vu que sur mon ancien il avait marqué Apex Gotaga, alors que je ne suis plus Apex depuis un bon moment maintenant. Et il s'est proposé de m'en faire un, donc vraiment merci à toi. Par la suite, mon designer Dinosef, qui avait fait mon premier background à l'époque et qui m'avait fait plein de trucs sur Facebook et tout, m'en a fait un nouveau. Je ne savais pas trop lequel choisir, donc du coup je me suis dit, bah allez, je vais m'aider de mes followers. Donc je suis allé sur Twitter, j'ai demandé lequel des deux backgrounds il préférait. Au début c'était un peu du 50-50, il m'aidait pas trop, hein, c'était kiff kiff. Et au final, il y a eu une petite préférence pour celui de Dinosef. Donc je l'ai mis, j'espère que vous appréciez. Vous pouvez aussi voir mon nouveau logo, car mon ancien logo, c'est pas qu'il était médiocre, hein, mais en gros, c'était le logo de mon sponsor Scuf, qui était à l'époque mon sponsor principal, avec en fait un G à la place du S, donc c'était pas très original, mais bon. Donc voilà, j'ai un nouveau logo, fait lui aussi par Dinosef. Si vous regardez bien, en gros, ça représente toutes les lettres qu'il y a dans mon pseudo, le G, le O, le T et le A. Vous allez galérer à trouver certaines lettres, mais je vous assure, ça représente vraiment toutes les lettres. Et puis franchement, je le trouve très beau. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi aussi dans les commentaires. Justement, Dinosef va s'occuper de tout le reste aussi, ma bannière Facebook, mon background Twitter, enfin bref, c'est vraiment quelqu'un en or, hein, qui est toujours là. Quand j'ai besoin de lui, il est hyper gentil, franchement. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur son site, hein. Je vous ai mis son site dans la description, dinosef-design.fr. Donc franchement, allez jeter un petit coup d'œil. N'hésitez surtout pas à lui demander des créations, il est vraiment très fort. Il fait du web design, des logos de joueurs, des logos d'entreprise, de team, des backgrounds, etc. Bref, je vous invite vraiment à aller sur son site. Je sais pas si vous avez vu, mais des personnes ont rejoint la partie. Je suis d'ailleurs mort à 37-0. Là, je vais encore mourir, voilà, mourir deux fois d'affilée. C'est un peu gavant. Enfin bon, je me suis dit, bon bah, si je peux pas faire la triple mob, au moins j'essaie de faire la double, vu qu'il y a des personnes qui ont rejoint, c'est largement faisable. Donc du coup, je vais repartir dans une nouvelle série, vous allez voir. Alors, sinon je vous ai parlé de la chaîne secondaire, le changement niveau design, je voulais vous parler aussi de la reprise des mobs live. Alors, les mobs live, j'en avais déjà parlé dans mon premier défi, donc c'était il y a bien longtemps, quand j'avais 5000 abonnés. Maintenant, on est quand même 35 000, donc je pense que je me dois de réexpliquer à tout le monde, à tous les nouveaux arrivants, un peu le concept de ces mobs live. En fait, ça me permet de jouer avec mes abonnés et de faire des mobs en direct. Sur YouTube, pour les personnes qui sont partenaires, ils ont une option leur permettant de diffuser du contenu en direct, ce qu'on appelle live stream. Certains le font sur Twitch TV ou d'autres sites permettant de faire du stream. Mais moi, je préfère le faire sur YouTube car c'est beaucoup plus facile et ça permet aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne de le voir directement, alors que sur Twitch, il faudrait qu'ils se réabonnent à une autre chaîne, etc., etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. En plus, comme ça, il y a la rediffusion qui se met automatiquement sur ma chaîne pour ceux qui n'étaient pas présents et qui veulent la revoir. Par contre, je n'ai pas la connexion adéquate me permettant de faire du live stream en HD. C'est juste en 360p, on va dire. Il y a quelques lags de temps en temps, et d'ailleurs je sais que certains ne sont pas trop contents dans les commentaires en regardant les rediffusions, mais malheureusement je n'ai pas le choix. Car dans les commentaires par exemple, j'ai oui, Gotaga, tes vidéos sont en 720p d'habitude, pourquoi celle-là, ça lag et tout, la qualité est pas top et tout. Malheureusement je n'ai vraiment pas le choix, je fais ce que je peux avec ce que j'ai et je sais que beaucoup sont contents que ces lives, que je fasse ces lives. Et c'est pour ça, pour mes 30 000 abonnés, je vais faire en sorte d'en refaire le plus possible. J'avais arrêté un moment. Pourquoi? Bah à cause des joigneurs tout simplement. Donc les joigneurs, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne suivent pas forcément mais les mobs live? C'est des personnes en fait qui regardent le live et qui font
qui font tout pour rejoindre la partie et pour péter mes séries, essayer de prouver quelque chose, je ne sais pas quoi. En fait, c'est gavant, franchement, c'est vraiment gavant. Si vous voulez me faire rager, c'est simple, devenez un joigneur, hein, c'est vraiment le truc qui fait rager. Donc là, j'en ai débloqué ma deuxième mob au passage, donc voilà, j'ai reçu ma double mob. Faut que quelqu'un me tue, donc oui, pour ceux qui ne savaient pas, qui m'ont demandé dans... Enfin, qui m'ont dit, oui, dans ma dernière vidéo, double mob... putain, je me perds maintenant, à cause des mob live. Double mob, je disais. Je disais, oui, Gotaga, tu n'es pas obligé de mourir pour enchaîner sur la deuxième. Si, si, je vous assure, vous êtes obligé de mourir entre chaque mob. À moins qu'ils aient mis une mise à jour, mais il y a quelques jours encore, j'ai fait une série de 50, et pourtant... je n'ai pas eu de seconde mob, donc en effet, il faut mourir entre chaque mob. Il y a aussi ceux qui me demandaient pourquoi je ne lançais pas mes mobs. Tout simplement car de 1, je ne veux pas faire rager mes adversaires, même si là c'est un peu le contraire. Hein. Dès le début de la partie, ils sont partis alors que j'avais même pas encore de mob. Mais bon voilà, je veux faire rager le moins de personnes possible, car en général quand tu te prends une mob, tu quittes direct. Ou sinon, c'est parce que je ne vois plus l'écran. Enfin, entre un écran normal et un écran en marron-orange, je préfère de loin l'écran normal. Sinon franchement, c'est vraiment galère pour voir. Donc voilà, je tenais à le dire. Donc là, je suis reparti pour une très bonne série pour la troisième mob. Je me suis dit, allez Gotaga, c'est possible. Là j'ai pas pris le colis exprès parce que je me suis dit non, vas-y, joue pas avec le feu, ça se trouve il est piégé. Donc voilà, je repars dans ma série tranquille et je suis perdu, je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, je vous parlais des joigneurs. En fait c'est les personnes qui rejoignent les parties tout le temps, qui font tout, qui cherchent vraiment à prouver quelque chose, et qui rejoignent non pas pour gagner la partie mais pour vous tuer, vous seulement vous. Le pire c'est qu'ils ont le stream juste à côté d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont juste à tourner la tête vers le PC pour savoir où je suis et se mettre à des positions en conséquence juste pour me péter mes séries. Donc comment ils rejoignent? C'est simple, ils regardent le stream, ils voient les pseudos des adversaires soit dans la barre des feeds, soit en bas quand je me fais tuer ou que je tue quelqu'un, ou soit en haut à droite quand quelqu'un par exemple prend un objectif, son pseudo apparaît en haut à droite. Donc pour tout vous dire, il y en a même certains qui arrivent à voir les noms quand je suis en spécialiste à cause de la tuteur d'élite, hein, ils font quand même très fort là. Enfin bref, ils font créer un nouveau chat privé. Dès que le chat est envoyé, ils vont sur le profil de la personne qu'ils ont pris en chat et font rejoindre la section en cours. Et bizarrement, ils arrivent dans notre partie. Et puis voilà, ils sont contents, ils font tout leur possible pour péter nos séries. Et le pire, c'est qu'ils y arrivent. Hein. Forcément, c'est pas très dur avec le stream à côté d'eux qui leur indique où je suis, ce que je dis, etc. En plus, quand je live stream, ça me fait laguer à mort. Donc du coup, je ne peux pas gagner tous mes duels comme je le ferais d'habitude. Et puis voilà, franchement, c'est vraiment gavant. Mais j'ai trouvé une solution, vous allez voir. Donc là, c'est la dernière manche. J'ai commencé une bonne série, je ne sais pas combien, mais je sais que je dois me presser parce que, comme j'ai dit dans mon dernier défi, je joue tout seul. Oui, c'est une triple mob tout seul, donc du coup, la partie ne dépend pas de moi. Elle va pas durer. Enfin, la dernière manche ne va pas durer 2 minutes 45. Hein. Soit mon équipe, soit leur équipe va poser très rapidement. C'est la mienne d'ailleurs qui va poser. Et je vais devoir vraiment tracer. Voilà, ils ont posé. J'ai 44 secondes pour faire ma mob. Donc là, j'étais vraiment en stress, je rushais vraiment partout. Donc je disais, comment sur mon prochain live, donc il y aura donc le compteur de mobs qui cachera les feeds en bas à gauche. Il y aura aussi mes sponsors qui cacheront la barre du bas qui s'affiche quand tu tues ou tu te fais tuer par quelqu'un. Et mon Twitter et mon Facebook qui cachera en haut à droite quand quelqu'un prendra une position. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi je mets des caches. Et j'espère qu'on pourra faire des mob live ensemble, que ça sera réglé. Franchement c'est vraiment gavant, ça gave aussi mes abonnés et c'est chiant que les joigneurs fassent ça... pour péter notre notre lien entre youtubeurs abonnés. Donc voilà, la fameuse troisième mob qui arrivait juste à la fin. Donc j'essaie de la déclencher et puis voilà, la partie va s'arrêter. Je pourrais pas lancer les trois malheureusement, donc c'était très juste. Donc j'espère que vous avez aimé le gameplay. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à faire partager, bref. Voilà, vous savez ce que vous allez faire. Pour les mob live, pour ceux qui veulent savoir quand je les fais, je les annonce sur Twitter ou sur Facebook. Les liens sont aussi dans la description. Et puis voilà, hein, donc je finis sur un score de 85-3 il me semble. Donc un très bon score sur moi, ma meilleure partie, non pas pour le nombre de kills, mais le meilleur ratio. Enfin je veux dire, mon ratio était supérieur à 24, c'est-à-dire que la moyenne était de faire une mob, mourir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est ma meilleure partie, ma meilleure tentative. Parce que d'habitude je mourrais beaucoup plus de fois. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la prochaine pour un prochain défi. Tchuss !